Salut mes athlètes, c'est Jérém de JFIT. On se retrouve pour la Diag 7-8, 90 km. On va traverser les Yvelines du nord au sud, du sud au nord, de l'est à l'ouest, de l'ouest à l'est. Franchement, j'en sais rien. Et voilà, c'est parti pour 90 km. On va partir relativement tranquille avec Fred, avec Pascal. Et ça grimpe direct. Bon, les athlètes, on est parti tranquille. 6,14 de moyenne, donc un peu moins de 10 km/h. Bon, bah forcément, après 2 km, tout va bien. Voilà, on continue. On commence à déjà bien boire parce que on sent qu'il va faire très très chaud aujourd'hui. Bon, on a presque 5 bornes. 6,28 au kilomètre. On est bien. On est sur un premier plateau. Et franchement, si les paysages ils font pas rêver. Tout le monde va bien? Ça va. Ok. Donc voilà, 5 bornes. Toujours avec, avec les copains, Pascal et Fredo. Les freerunners. Que vous retrouvez un peu partout. Sur Facebook notamment. Regardez-moi cette belle foulée. Et regardez, quand on est athlète élite, on a une assistance. Je peux prendre le chien? Ouais. 10 km, une heure, un peu moins d'une heure 5. On arrivera au premier point d'eau dans moins de 5 km à Clairefontaine, là où s'entraîne l'équipe de France de foot, toujours avec Fred et Pascal. On est plutôt pas mal, 6,16 de moyenne, on est plus rapide que prévu, à voir jusqu'où ça va tenir. Les athlètes, 16 bornes de course, 1h40, on vient d'arriver au premier point d'eau, donc comme prévu, j'ai rechargé les flasques entièrement. Là, petite compote, donc là on est à Clairefontaine. Après le petit arrêt pipi, on contourne le lac qui est juste somptueux. On a un temps mais de dingue. Donc là c'est l'heure de la pompote qui est par ici. Hop, on va prendre ça et puis on va repartir tranquillement. Allez, prochaine étape, c'est dans 12 bornes. Premier ravito solide. À toutes. Et voilà, 20 km de fait, 2h05 de course, 6,17 du kilomètre en moyenne. On est en avance sur les temps de passage, mais bon, c'est très bien que ça ne veut rien dire parce qu'on a fait 20 bornes. La route est encore un peu longue, mais ce qui me tarde, c'est d'être au 55e pour retrouver mon fan club, mes supporters, donc ma femme, ma fille et mes parents. Ça va faire du bien de se poser un peu avec eux, parce que cet après-midi en plus il va faire très très chaud, surtout quand on va arriver dans les plaines, justement à partir du 55-60e kilomètre, et là ça risque de bien taper sur la tête. Donc bon, 20 bornes, on continue, on est plutôt bien. J'ai faussé compagnie à mes compagnons de route parce que le rythme était un peu trop lent à mon goût, et que tout naturellement j'arrive à 10 km/h sans trop forcer. Donc voilà, on va faire ça jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, quoi, ou alors jusqu'à l'arrivée à Mantes-la-Jolie. Là on est sur des grandes allées forestières à l'ombre. On est vraiment bien là. Ça fait du bien parce que dès qu'on passe sur des chemins pas abrités où le soleil tape, et ben on sent tout de suite qu'il y a 6-7 degrés de plus, et ça chauffe pas mal. Donc là les athlètes, je viens de croiser Marc le photographe fou. Je vous mets sa page dans le descriptif de la vidéo. Si vous avez des événements pendant lesquels vous avez besoin d'un photographe, franchement, qui bosse super bien et vraiment dans la bonne humeur. Bah, parfois il est un peu con, mais ça reste entre nous. Franchement top. Donc là il nous shootait pour la deuxième fois, et puis on va le retrouver dans 30 bornes au 51e pour la prochaine séance photo. Donc ça c'est plutôt cool, ça va faire des belles photos je pense. Je suis bien coiffé, j'espère. Les athlètes, je vous ai même pas parlé de mon petit déj avec tout ça.
Donc le réveil à 5h pour un départ de la navette à 6h et un départ de course à 8h. Et bah le petit déj, j'ai fait un peu comme la semaine dernière pour le marathon, j'ai pris une compote, donc une pompote comme celle que vous avez vue juste avant, une banane pour faire le plein de potassium notamment et éviter les crampes, et un petit café un peu serré, le café qui fait travailler les intestins, qui permet d'aller aux toilettes avant de quitter la maison, en l'occurrence avant de quitter la maison de mes parents chez qui j'ai dormi cette nuit, puisque c'est mon père qui m'a très gentiment déposé à la navette puisqu'ils habitent les Mureaux et que le départ de la navette s'effectue à l'arrivée de la course, donc à Mantes-la-Jolie, à 20 minutes de chez eux. Donc très pratique. Et là, je pense qu'il est 10h30. Ma fille qui a dormi avec moi, qui a pris toute la place dans le lit, la petite poulette que vous avez pu découvrir sur la vidéo du marathon de camp que je vous remets dans le coin, et ben là, elle doit à peine se lever. Et ma femme qui est à la maison, pareil, les vénardes. Et moi, je continue. Et d'ailleurs, je vais prévenir un peu tout le monde pour dire que je suis un peu en avance. J'attends le prochain ravito pour faire le point. Prochain ravito dans, si je dis pas de bêtises, moins de 3 km, les étangs de la Tour. Les athlètes, on quitte le premier ravito au 28e kilomètre. Ouais, 27,7. Comme prévu, j'ai bien rechargé les flasques. J'ai mangé pastèque banane. Deux bons gobelets d'eau gazeuse pour faire le plein de sodium, parce que je transpire assez salé là, je le sens quand je me passe la langue sur les lèvres, c'est assez salé. Donc voilà, et puis bah là, 28 km, on repart pour 14 jusqu'au prochain ravito et on sera au marathon. Pour le moment, franchement, tout va bien niveau physique, ça va. Un peu mal au talon, il m'embête un peu, ce tendon d'Achille m'embête un peu, mais on va, ça reste supportable. Faut pas que je m'arrête trop. Après, voilà, mentalement, c'est, bah, y a des hauts et des bas. C'est un ultra, on court beaucoup, on s'arrête uniquement au ravito et dans quelques bosses quand elles sont un peu trop pentues pour courir, pour pas non plus trop cramer d'énergie. Donc voilà, la 14 bornes, je suis à 6,20 au kilomètre, donc on va mettre 1h30 à peu près. Donc voilà, on se retrouve tranquillement dans quelques minutes. Donc après 32 bornes les athlètes, on arrive sur les premiers plateaux. Et là, bah, il est 11h20, et ça commence à bien chauffer. Je sais pas, il doit faire un bon 20 degrés, il y a un peu de vent, donc ça va. Mais si cet après-midi on a la même chose avec le vent en moins, oh punaise, il va faire chaud. Donc voilà, 32 bornes, 3h20 de course, on est bien, on continue. 35 km, tout pile. 35 km. Donc là, je marche depuis une 2 minutes parce que j'ai les mollets qui sont tout raides. Petit passage difficile. Difficile, ça allait bien mieux. Alors ça, c'est les joies de l'ultra. C'est qu'il y a, il y a 7 km, j'ai eu ma mère et ma fille au téléphone. Ça allait impeccable, juste après le départ, juste après être parti du ravito. Et là, une grosse demi-heure après, presque trois quarts d'heure après, le coup de moins bien qui est là. Bon, c'est pas normal, hein, 3h40 de course, 35 km, il fait chaud. Il y a un marathon qui est dans les jambes depuis 6 jours. Donc voilà, on s'affole pas, on marche un peu. Je devrais être dans les temps pour le prochain ravito à Saint-Léger, qui est aussi le départ du 48 km, puisqu'à la fin il restera 20. Donc voilà, on s'affole pas et on continue. Voilà les athlètes, vous êtes là. Après le coup de moins bien de tout à l'heure, ça a été mieux pendant 2 km. Et puis là, recoup de moins bien et bonne douleur au talon droit là. Pff, ça me fait chier ce talon droit. Vivement la fin de la saison que je me repose et que je récupère, parce que c'est vraiment chiant. En espérant qu'à la rentrée ce soit un,
un lointain souvenir. Là, bah, 4h06 de course. Que je vous dise pas de bêtises, 38 km parcourus. On est à 6,27 de moyenne. Donc on est toujours dans les temps prévus. Donc les 9 km/h avec un prochain ravito dans à peine une demi-heure. On va essayer de courir jusqu'au ravito, mais punaise, les jambes sont bien, sont bien carbo. J'ai baissé les manchons, je les ai remontés. J'ai bien bu, j'avais bien mangé au ravito. Mais en fait, vu que c'est très roulant, on court 99% du temps. Il y a une ou deux petites bosses, mais vraiment de temps en temps, qui nous permet de marcher et de récupérer. Et du coup, on court en permanence. Et putain, je peux vous dire que en temps normal, ça fait mal. Mais alors, 6 jours après le marathon, ça fait encore plus mal. Enfin voilà, le coup de moins bien. Quand vous avez ça, même si vous êtes sur du plat, hein, c'est pas un échec, c'est pas une faiblesse de marcher sur du plat. On n'est pas obligé de marcher que dans les montées, en trail. Vous marchez, vous massez les jambes si besoin, vous relâchez les bras, les épaules, vous vous hydratez bien, vous mangez un truc si besoin. Vous marchez 10 minutes s'il le faut, 15. Et vous allez voir à un moment, bah, votre cerveau, il va vous dire, hey, allez, on y retourne. Et là, non, là, il me dit pas, allez, on y retourne. J'ai un compagnon de galère devant qui marche aussi. On joue au chat et à la souris depuis tout à l'heure. Il me double, je double, il me double, je double. Et là, il y a mon compagnon de derrière qui va me doubler aussi. Je pense qu'on va essayer de repartir, mais bordel, ça picote. Les athlètes, on arrive au ravito de Saint-Léger. Donc 42e kilomètre en compagnie de la première féminine, Josepha. Bonjour tout le monde. Au taquet. On avance. Ouais, on avance. Une belle course. On avance tant bien que mal. Hein. Ça devient un peu compliqué. Donc là on va bien, bien se poser au ravito, bien recharger les batteries et puis on verra ce que ça donne après. Allez, on repart du 42. On a vu les copains. On a vu Nico qui a fini le relais. On a vu Fred qui prend le troisième relais. C'est cool. Ça fait du bien. Parce que ben, on est reparti là pour un peu plus de 45. Et ce qui est cool, c'est que dans 13 bornes, je vois la famille. Donc ça, c'est cool. Et là, en revanche, c'est là où on avait fait les photos de cascadeurs avec Nico. Et donc ça grimpe. Donc on va se calmer. Et on va récupérer tranquillement. Les athlètes, on a perdu un peu de temps. Trompation, trompage, tromperie de balisage. Il y avait des rubalises en face, il y avait des rubalises à droite. Donc, nous on a été à droite. Et en fait, bah, c'était en face. Donc, on a dû faire un bon 800 mètres en plus. Ça fait chier à ce moment-là de la course. À mi-course, ça fait vraiment chier, mais bon, c'est pas grave. On retrouve bientôt la famille à Gambet pour le prochain ravito. Et ça va faire un bien fou. Le petit passage sur la passerelle du GR. Sympa. Moi, les athlètes, après un kilomètre de rab à cause de cette erreur de balisage, cette erreur de direction, je me suis trompé de direction. Presque 6 heures de course, presque 52 km. Enfin, du coup, 51. 4 bornes pour rallier le prochain ravito et voir ma famille. On fera un point là-bas, mais je vous garantis pas que cette vidéo aille beaucoup plus loin, parce que je suis cramé, je suis séché, je suis vidé, tout simplement. Donc on fera le point au 55e, mais je pense que ça va être très 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 compliqué de repartir. Les athlètes, je suis arrivé au 55e, enfin 56e. J'avais très envie d'abandonner. Je me suis changé, j'ai bu, j'ai mangé un peu. Le soutien de la famille qui fait beaucoup beaucoup de bien. On va tenter d'aller jusqu'au prochain ravito qui est à Orgerus dans 6 km. Et puis bah du coup on avisera là-bas. Allez, à toutes. 60 km, ça y est. 60 km. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait autant. Je crois que ça date de septembre l'année dernière, quand j'ai fait mon ultra à Bure sur la station de trail en off.
J'avais fait 86, je crois, ma plus longue distance. Du coup, là, il me reste 1 km avant de retrouver la famille à Orgerus. J'ai tout changé, hein, les chaussures, les chaussettes, le t-shirt. Et très clairement, je me vois pas faire encore 30 bornes comme ça. Je cours à 2 à l'heure. J'arrive pas à courir plus de 5 minutes de suite. Ouais, très très compliqué les athlètes. Donc voilà, il y a des chances pour que ce soit la dernière vidéo en course et que je vous fasse le débrief à Orgerus. Allez, à tout de suite. Les athlètes, on arrive au 62e avec mon pote Jean-Jacques. À cause de moi, il va rater son podium parce qu'il a voulu m'emmener jusqu'au ravito. Et pour moi, la course s'arrête là. Bon, finalement, les athlètes, j'ai pas fait le débrief à Orgerus. Pourquoi? Parce que je suis arrivé au ravito, je me suis allongé à l'ombre, j'ai bien bu, bien mangé, puis ensuite on est reparti tranquillement en famille hein, pour aller manger chez mes parents. Donc cette Diag 7-8, alors le parcours est vraiment sublime. Franchement, sur les 63 km que j'ai fait, enfin 62 plus 1 hors trace, puisque vous avez vu, hein, je me suis un peu perdu avec deux camarades de course. Les paysages sont vraiment dingues, il y a beaucoup de forêts, il y a quelques passages sur bitume, mais bon, on n'a pas trop le choix pour rallier certaines forêts. Quelques passages un peu sableux, pour permettre aux chevaux de marcher sans se faire mal. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de plats. Hein. C'est 90 km, 1200 de D+, clairement, c'est très, 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 très roulant. Et je pense que c'est ça qui m'a fait le plus mal, parce que si j'avais pu alterner des portions de course et de marche, ça aurait été quand même plus sympa. Là, au final, bah, les portions de marche, elles étaient un peu forcées. C'est quand j'en pouvais plus, bah, je marchais sur du plat. Niveau ravito, tout s'est bien passé. Je suis parti donc très léger, hein, parce que je suis parti avec une pomme pote et 2 barres de céréales. J'ai mangé une pomme pote et une barre de céréales au ravito du 55e. Une pomme pote au 15e, et puis après pour le reste j'ai fait avec ce qu'il y avait sur les ravitaux, donc du 27e et du 42e, très fourni, fromage, tuc, fruits secs, pâte de fruits, eau gazeuse, eau plate, coca, banane, pastèque, ça c'est cool. Donc du coup moi j'ai fait exclusivement avec des bananes et de la pastèque, donc ça c'était cool parce que ça apportait pas mal de glucides et beaucoup d'eau avec la pastèque, donc ça c'était bien pour s'hydrater en plus de l'eau. Voilà, après si c'était à refaire 6 jours après le marathon, bah je le referais parce que j'ai découvert une course vraiment très très sympa. C'est la moindre des choses que de venir sur cette course après avoir été invité par Alain, par l'organisateur. Et puis je savais que j'allais voir les copains, tout ça, il y a ma famille qui venait, donc l'ambiance était vraiment très sympa, les bénévoles au top, mais vraiment, à chaque croisement, donc chaque passage, chaque traversée de route, le petit bonjour, le petit mot d'encouragement. Alors oui, on était que 70 ou 75 au départ, mais quand même, j'ai rarement vu une course où tous les bénévoles, vraiment hein, sans exception, ont un petit mot pour vous. Ça franchement, c'est très très cool. Donc voilà, je pense que l'année prochaine, on y retourne. Enfin, c'est pas je pense, c'est je suis sûr, l'année prochaine, on y retournera. À voir sur quel format. Il y a le relais qui peut être pas mal. Alors, qui n'est pas un vrai relais, hein, parce qu'il faut attendre 14h et 18h pour prendre le deuxième et le troisième départ. Mais voilà, il y a des chances que. Ou peut-être sur le 48. Sans doute pas sur le 90. Pourquoi? Parce que l'ultra, j'ai envie de dire, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, pas maintenant du moins, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, un peu plus en détail. Tout comme je reviendrai aussi en vidéo sur ce que j'ai retenu de mon marathon de Caen et donc de cette Diag 7-8, parce que ça me permet d'affiner le projet pour les mois à venir. Et maintenant, bah, c'est récup totale, coupure. On va profiter de ça pour peut-être aller nager un peu et faire un peu de vélo, mais vraiment à voir. Là, cette semaine, je ne fais rien du tout, à part regarder le foot. Bravo aux filles qui hier soir ont battu le Brésil, donc bah, on va suivre la Coupe du Monde avec grand intérêt, autant d'intérêt que pour les mecs. Et puis bah, moi je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Sportez-vous bien les athlètes, à très vite, ciao ciao.
Love and go inside to mesh love you with struggle.